Alors bonsoir tout le monde. Ce soir nous allons apprendre dans le Rambam, dans Maïmonide, les lois relatives à la femme sota, le deuxième chapitre. Alors hier vous avez vu déjà pas mal de choses, assez intéressant de voir qu'est-ce qu'une femme sota, comment ça fonctionne, etc. Aujourd'hui nous allons parler que va-t-il se passer si une femme trompe son mari et inversement si on va voir d'une certaine façon si c'est le mari qui va tromper sa femme. Dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on doit faire? Il faut savoir que toutes ces lois, de façon très générale, en tout cas une bonne partie, n'étaient fonctionnelles qu'au temps du temple. Parce que nous pouvions faire la loi de la sota, de lui faire boire de l'eau, mélanger à de la cendre ou de la vache rousse, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par contre, il y a certaines lois, comme le fait que si il y a adultère qui a été prouvé, eh bien, elle ne va pas pouvoir recevoir l'argent de sa ketouba, puisqu'elle a cassé par elle-même son mariage. Et donc, c'est ce qu'on va voir là tout de suite maintenant. Alors, la première base, pour qu'une femme puisse être appelée sota, ce qui veut dire qu'on puisse après lui donner à boire cette eau amère, etc., il faut qu'elle ait été mise en garde. Si le mari ne lui a pas dit « Attention, j'ai l'impression que tu parles beaucoup trop avec lui et je commence à être jaloux, je ne veux pas te voir avec lui », s'il ne lui a pas dit ça clairement, on ne peut pas l'obliger à boire les eaux de la sota. Il y a d'autres façons qu'il pourrait faire aussi qu'on ne va pas l'obliger. Et il y a aussi des fois où une femme n'est pas apte à boire les eaux de la sota. Et on va essayer de comprendre de quelle façon. Premièrement, si elle avoue d'elle-même, elle dit oui, elle a fait un adultère. Dans ces cas-là, elle n'a pas besoin de boire la sota, parce que le fait de boire l'eau de la sota, c'est pour vérifier si oui ou non ça a été fait. Donc, si elle avoue, il n'y a pas besoin. Et donc, elle va divorcer sans avoir droit à l'argent de la ketouba. Et en plus de ça, puisqu'elle a trompé son mari, elle devient interdite à jamais à son mari. Maintenant, si elle dit « Je n'ai pas commis d'adultère, mais je n'ai pas envie de boire les eaux de la sota », eh bien, on ne peut pas l'obliger à le faire. C'est une très grande honte. Il faut s'imaginer un petit peu comment ça se passait. Elle enlevait son foulard ou sa perruque, donc elle montrait à tout le monde ses cheveux, elle passait devant tout le tribunal, et enfin, c'était assez humiliant. Et dans ces cas-là, si elle ne veut pas boire la sota, et qu'il y a un doute avec des témoins, etc., dans ces cas-là, elle va divorcer sans avoir droit à la ketouba. La même chose, si son mari dit « je ne désire pas la faire boire », ou alors, si son mari il a eu une relation avec elle, après qu'elle se soit isolée, en tout cas parce qu'on ne sait pas s'il y a eu des relations avec l'autre personne ou pas, eh bien, elle ne va pas boire. Puisque, en fin de compte, le fait qu'il est reparti avec elle après montre qu'il a envie de rester avec elle. Eh bien, elle va divorcer. Elle pourra prendre l'argent de sa ketouba, mais elle ne pourra plus jamais se remarier avec son mari. Maintenant, on va voir, dans tous les cas où la femme n'est pas apte à boire de l'eau de la sota, même si elles veulent, elles ne peuvent pas. Il y en a 15. La première, c'est une femme qui sera consacrée, c'est-à-dire qu'il y aurait eu de relations avant même le mariage. Dans ces cas-là, si elle est partie avec quelqu'un d'autre, ben c'est difficile à appeler ça tromper, puisqu'en fin de compte, il n'y a pas eu de mariage en soi. Il y a aussi une femme qui est en attente de Yiboum. Donc, elle voudrait pouvoir se marier avec la frère de son ancien mari, comme on en avait parlé la semaine dernière. Et donc, d'une certaine façon, elle est un peu réservée. Mais est-ce que ça s'appelle tromper parce qu'il n'y a pas encore eu vraiment de mariage? Ou alors, une ketana, une petite, qui officiellement est mariée avec quelqu'un, mais en fin de compte, c'est un mariage d'une mineure. Donc, les lois ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas encore un vrai mariage, puisqu'elle peut renoncer à ce mariage lorsqu'elle sera plus grande. Ou alors, à l'inverse, une grande avec un petit. C'est la même histoire. Ou la femme d'un androgyne. C'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas avoir la possibilité d'amener des enfants. Ou la femme d'un aveugle, d'un boiteux, d'un muet, d'un sourd, ou même d'un homme qui a la main coupée,
ou celle qui boite, celle qui est aveugle, celle qui a la main coupée et celle qui est sourde. Toutes ces personnes-là ne peuvent pas boire les eaux de la Sota. Alors, il y a certaines qu'on comprend par nous-mêmes pourquoi. Il y en a d'autres qu'on ne comprend pas. Et c'est ce que le Rambam va nous expliquer tout de suite. En fait, il faut savoir qu'il y a un texte assez clair de comment ça se passe le moment où elle va boire de la Sota. Alors, c'est marqué comme ça. Lorsqu'une femme se détourne alors qu'elle était sous l'autorité de son mari, ça veut dire qu'elle était mariée. Ce qui veut dire que toute personne qui est consacrée, qui n'est pas totalement mariée, ne peut pas boire de la sota. Et c'est pour cela qu'une petite, quelqu'un qui est juste fiancé, quelqu'un, etc., etc., ne rentre pas dans ce cas. Il ne faut pas oublier que c'est marqué aussi une femme qui est mariée avec un homme, qui peut avoir des enfants. Donc, la femme d'un katan, il est encore petit, donc ils ne peuvent pas encore avoir des enfants. Ou alors, celle qui est mariée avec un androgyne qui ne peut pas avoir des enfants, ils ne sont pas encore appelés hommes, donc ils ne peuvent pas. C'est marqué aussi celle qui a été cachée aux yeux de son mari. Mais s'il est aveugle, il n'est pas caché. La même chose, c'est marqué, et le Kohen fera lever la femme. Mais pour la faire lever debout, il ne faut pas qu'elle soit boiteuse. C'est marqué, il mettra dans sa paume, mais s'il n'a pas la main, il ne peut pas recevoir. La même chose pour après, elle va devoir parler. Donc si elle est muette, ça ne rentre pas. Ça exclut aussi celui qui est sourde, parce qu'il dit, il faut qu'elle entende. Donc toutes ces choses, tous les défauts physiques vont pouvoir faire que il ou elle va amener l'interdiction pour la femme de boire les eaux de la sota. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est une ketana, une petite, qui a été mariée par qui ? Par son père. Elle n'a pas totalement choisi pour l'instant. Alors, elle n'a pas de relation avec son mari parce qu'elle est encore trop petite, mais en fin de compte, il y a un mariage d'une certaine façon. Alors, si elle a commis un adultère, elle est interdite à son mari. Et c'est pourquoi on doit la mettre en garde. Pas par rapport au fait de la sota, mais parce qu'elle ne pourra pas recevoir la ketouba, l'argent du fait qu'elle est mariée avec son mari pour l'instant. Par contre, une petite qui, encore toute petite, et donc ce n'est pas encore un vrai mariage de toute façon, même si elle a commis un adultère, elle n'est pas interdite à son mari, plus tard, si elle veut se remarier, et même pas un Kohen. Même s'il est Cohen, parce que on appelle ça pas encore un mariage, donc il n'y aura pas de divorce vraiment totalement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le mari d'une consacrée, une fiancée ou liboum ou autre, qui dit à sa future femme, il lui dit « Attention, j'ai l'impression que tu parles un peu trop avec ce monsieur, je ne voudrais pas que tu t'isoles avec lui. » Alors là, dans ces cas-là, le fait qu'il l'a mis en garde va donner l'obligation à la femme de boire les eaux de la sota. Par contre, une femme mariée qui n'a pas encore eu de relation avec son mari et qui va la tromper, et qu'elle va le tromper, même si elle a été mise en garde, on ne peut pas la faire boire de la sota. Parce que c'est marqué qu'il faut que il et elle soient déjà mariés 100%. Et une des parties du mariage, c'est d'avoir des relations. Et donc, dans ces cas-là, ils vont divorcer. Sans, bien sûr, donner la ketouba, mais elle ne peut même pas prouver, en buvant les eaux de la sota, qu'il n'y a rien qui s'est fait dans cet isolement. Une convertie, une servante affranchie, la femme d'un converti, la femme d'un esclave affranchi, une mamzerette, la femme d'un mamzer, la femme d'un saris de naissance. Saris, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant. Ce sont des femmes à part entière. Converties ou pas, ils restent juifs. Donc, dans ces cas-là, ils peuvent boire les eaux de la sota. Une femme enceinte ou une femme qui allait. Son mari peut la mettre en garde en lui disant « Je ne veux pas que tu ailles avec une autre personne. » Et il peut même lui faire boire les eaux de la sota, même si elle est encore enceinte et même si elle est en train d'allaiter. Par contre,
s'il y avait une femme qui devait boire les eaux de la sota, et le mari est mort juste avant qu'elle boive, elle ne doit pas boire. Par contre, elle ne pourra pas prélever l'argent de sa ketouba des héritiers, puisqu'il y a eu un doute qui s'est mis dans son mariage. Maintenant, si c'est un homme qui a eu une relation interdite, alors, on ne va pas donner de l'eau à la femme pour vérifier ça. Ça, c'est sûr que non. Et donc, même s'il était fiancé avec une femme, on ne va pas donner à la femme pour vérifier s'il y a eu relation ou pas. Et même si maintenant, la femme, il y a un doute si elle a trompé ou pas, étant donné que c'est marqué que l'homme, qui lui-même doit être net de toute faute, alors pourra aller demander à ce que sa femme boive la sota. Mais si lui-même, il l'a trompé, il ne peut pas demander après pourquoi est-ce qu'elle le trompe. Donc, il ne pourra pas boire la sota, la boire l'eau de la sota à ce moment-là. Et ça, c'est la même chose s'il y a les chnia, s'il divorce, etc. Dans tous ces cas-là, ce sera le même cas. Alors maintenant, si quelqu'un va épouser une femme qui est stérile, ou une femme qui est âgée, qui de façon générale ne va plus avoir d'enfants, ou carrément une aïlonite, ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas physiquement avoir des enfants. Étant donné, encore une fois, qu'on a parlé d'hommes et de femmes, dans ces cas-là, on parle d'un homme et une femme qui peuvent amener des enfants. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'androgyne. Eh bien, c'est la même chose si c'est la femme dans ces cas-là. Et donc, si elle va tromper son mari, eh bien, on ne va pas lui faire boire de la sota. Par contre, le divorce va être, bien sûr, donné. Elle ne pourra pas prélever l'argent de la ketouba. Dans ces cas-là, de façon générale, étant donné qu'elle-même ne pouvait pas avoir d'enfant, elle ne boit pas la sota, l'eau de la sota. Mais si maintenant, elle aurait pu en avoir, ou elle en a eu, et c'est maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'elle ne peut pas, ou alors qu'elle était mariée, que lui était marié avec une autre femme et qu'il y avait des enfants, à ce moment-là, le fait qu'il était marié avec elle n'était pas pour avoir des enfants obligatoirement, c'était pour être marié avec elle. Donc, dans ces cas-là, il pourrait la faire boire de l'eau de la sota. Maintenant, s'il avait d'autres femmes, mais qui n'est plus présente, et il avait des enfants, mais qui ne sont plus présents non plus, grâce à Shalom, dans ces cas-là, eh bien, on va regarder sur aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, elle n'a pas la possibilité d'avoir d'enfants, donc on ne va pas la faire boire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un cas où une femme a été mise en garde? Et en fin de compte, elle s'est isolée avec quelqu'un. Elle arrive pour boire les eaux de la sota, et son mari dit non, j'ai pas envie. Ou qu'elle, elle dit non, j'ai pas envie de boire. Et qu'il y a un seul témoin qui va attester de son adultère. Bien dans ces cas-là, quoi qu'il se passe, elle sera toujours interdite à son mari, à jamais. Mais attention, elle sera aussi interdite à son amant, à cette personne avec qui elle l'a trompée. Et donc, elle sera toujours interdite à l'un et à l'autre. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer si elle va quand même aller avec cet amant. Elle va se marier, elle va être dans une autre ville et elle va se marier. Et puis, on entend qu'en fait, c'était son amant. Eh bien, elle doit divorcer. Par contre, s'ils ont eu des enfants entre-temps, alors là, ça dépend. Si elle avait été mise en garde, son amant devient un petit peu quelque chose d'interdit total. Et même si elle a des enfants avec lui, ils seront obligés de divorcer. Par contre, si elle n'avait pas été mise en garde spécifiquement sur cette personne, dans ces cas-là, si elle n'a pas d'enfants, elle divorce. Mais si elle a des enfants, elle n'a pas besoin de divorcer. Maintenant, l'histoire de mise en garde, de façon générale, c'est par le mari. Mais si maintenant, il y a des rumeurs, alors, c'est un petit peu comme si on l'a mise en garde. Mais attention, quand on parle rumeur, ce n'est pas de quelqu'un qui l'aime pas. Si elle a des ennemis, qu'il y a des rumeurs, on ne se base pas là-dessus, parce que c'est très possible que ce soit de fausses rumeurs. Mais ce sont des rumeurs de gens tout à fait normaux qui n'ont rien contre elle ou contre lui.
et que les rumeurs commencent à passer un petit peu partout, d'une certaine façon, c'est comme une mise en garde. Et donc, on reviendra au cas qu'elle sera obligée de divorcer, ou pas, selon la rumeur. Maintenant, le mari a divorcé. Pourquoi ? Parce que, voilà, elle avait une conduite indécente. Eh bien, si elle va se remarier, elle va se marier avec une personne, elle ne sera pas obligée de divorcer, si elle n'a pas d'enfant. Et pour finir, toute femme qui vont se présenter deux témoins, parce que jusque-là, on parlait d'un témoin, et c'est pour cela que le doute est encore présent. S'il y a deux témoins qui viennent et qui disent qu'il y a eu un adultère, ils doivent divorcer, même s'il y a plusieurs enfants. Et attention, chaque fois qu'on dit « elle doit divorcer sans avoir droit à l'argent de la Ketouba. Parce qu'elle a trompé son mari, donc elle a coupé par elle-même le lien du mariage. Et donc, elle n'a aucun droit à la Ketouba. Voilà pour ce soir. Est-ce que vous avez des questions ? Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 heures d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site Torah24.com.